Ça fait bientôt 2 ans que j'ai monté un turbo sur cette voiture, sauf que c'est une injection monopoint, donc il n'y a qu'un seul injecteur, et j'ai été obligé de fabriquer un système démoniaque pour ajouter un deuxième injecteur avec un deuxième régulateur de pression, enfin bref. Ça marchait bien, hein, mais c'était pas très fiable. Je viens donc de passer plus de 2 mois à réaliser l'impossible en fiabilisant cette Fiat 600 Sporting Abarth 1 litre 1 turbalisée. Voici mon histoire. Le premier problème qu'il fallait résoudre, c'est le retour d'huile du turbo. J'ai commencé par modifier le carter d'huile, qui, de par sa forme, empêchait l'huile de bien sortir du turbo, puisque l'écoulement se fait grâce à la gravité. Et comme en plus le moteur est légèrement incliné vers l'avant, ben le raccord du retour d'huile partait un peu vers le bas. Donc l'huile était obligée de remonter. Et en plus de ça, la pente globale était pas énorme. J'ai donc décidé de remonter le retour d'huile d'origine du turbo, que tu peux voir ici, puisque c'est un turbo que j'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin. Il venait d'une Citroën Xantia 1 litre 9 TD pourri. Sauf que pour faire ça, il fallait modifier le carter. J'ai donc fabriqué un patron en papier d'une pièce qui allait permettre de modifier l'inclinaison du retour d'huile. Et j'ai ensuite fabriqué la pièce à partir de plaques de métal que j'ai découpées et que j'ai soudées entre elles. Rien de compliqué. J'ai découpé une partie du carter et il se trouve qu'en plus ça tombait exactement au niveau de la séparation à l'intérieur du carter pour pas que l'huile déjauge. Donc j'ai dû couper un petit morceau de la plaque. J'ai soudé la pièce au carter, j'ai fait les finitions. Et voilà le travail. Je trouve qu'en plus maintenant le retour d'huile est un peu plus large que celui d'avant. Ça c'est l'ancien. Et ça c'est du AN8. Et maintenant on est très proche du AN10. Donc à moins de mettre une pompe électrique, ça sera pas mieux que ça. Ensuite j'ai modifié la downpipe à ce niveau-là là, puisque j'avais réutilisé la tresse d'origine. Donc il y avait une petite restriction de flow à ce niveau-là. Donc je l'ai remplacée par une tresse du bon diamètre. Et j'ai également supprimé la bride d'origine que j'avais refixée ici. Puisque là aussi il y avait une restriction de flow, donc je l'ai simplement remplacé par un collier. Et en plus comme ça permet d'ajuster un peu mieux la ligne. Tant qu'on parle de la ligne, c'est une ligne que j'ai fabriquée moi-même. Donc elle était soudée de la downpipe jusqu'aux sorties. Donc je l'ai coupée ici au niveau du Y avec le silencieux et la deuxième sortie. Et j'ai ajouté un collier. Comme ça je peux la démonter plus facilement. Comme ta mère. Et j'ai également déplacé le clapet ici plus loin de la sortie pour que ça fasse un peu moins de bruit. Clapet fermé. Voilà.
problème suivant, le capteur papillon, qui avait tendance à faire des trucs bizarres. Donc j'ai complètement mis à nu le faisceau et j'ai pas trouvé de problème. Par contre, j'ai trouvé un problème au niveau de la prise. Et quand je tordais les fils, la valeur changeait. J'ai donc acheté une nouvelle prise sur AliExpress et je l'ai remplacée. Mais apparemment, le problème venait pas de là. J'ai passé des heures à chercher, à essayer de comprendre. Et c'était incompréhensible. Parce que le problème venait vraiment de la prise. À chaque fois que je tordais, ça déconnait. Et dans la prise, il y a trois fiches qui sont séparées par du plastique. Donc j'ai mis de la colle époxy dans la prise, en les maintenant espacées, pour être sûr qu'ils ne se touchent pas. Et c'était toujours pareil. Donc j'ai tout remonté, et j'ai attaché les câbles pour pas qu'ils bougent. Et j'ai prié pour que le problème disparaisse. Ensuite, j'ai remplacé le boîtier papillon par un plus gros de 38 mm que j'avais déjà enlevé puisque avec la pression du turbo, de l'éthanol arrivait à passer par l'axe du clapet et rentrer dans le capteur papillon. Puisque je rappelle que ce moteur, c'est une injection monopoint, donc il y a un seul injecteur au-dessus du papillon. Donc l'éthanol s'échappait par l'axe du clapet et rentrait dans le capteur, le faisant griller. Mais apparemment, ça c'était un problème distinct du problème de la prise. Donc ça fait deux problèmes au niveau du capteur papillon. Bref, donc j'ai entièrement désassemblé le boîtier papillon et il y avait un joint de chaque côté de l'axe qui n'était pas très en forme. Ils sont là. Donc je les ai remplacés par des joints toriques que j'avais en rab et j'ai également fabriqué des joints en papier pour le papillon puisque j'avais pas de joint, donc à chaque fois j'utilisais du silicone, sauf qu'à chaque fois il y avait des fuites d'air. Après ça, j'ai amorcé le moteur en huile et j'ai démarré. Et tout avait l'air de fonctionner correctement. Donc j'ai débranché l'injecteur SPI de l'écu d'origine et je l'ai branché à l'écu master avec une résistance de 5 ohms. Et ça ne voulait pas démarrer. Donc je l'ai remplacé par une résistance de 3,3 ohms. Et cette fois-ci, ça voulait toujours pas démarrer. Mais après quelques réglages, elle a fini par démarrer. Ça avait l'air pas trop mal, en tout cas ça avait jamais été aussi bien. Donc je suis allé tester la voiture sur la route et je suis tombé en panne au bout de 500 mètres à peu près à cause du capteur papillon qui fonctionnait plus. Qu'il a ce putain de capteur de merde, non mais c'est incroyable, c'est un truc de ouf, il fait ch**er depuis toujours ce truc. Du coup je l'ai démonté, et je me suis rendu compte que les capteurs chinois pas chers de merde là, que j'avais acheté pour les avoir en rab, bah, c'était de la merde. Je touche même pas les fils, j'appuie sur la prise. Voilà, donc là c'est court-circuit total. Ok, donc là je viens de brancher le capteur Magneti Marelli qui coûte 30€. Donc là, il m'affiche 7V 10 et je vais tripoter la prise.
Tu peux voir qu'il ne se passe rien. Je vais également toucher les fils. Voilà, donc c'est très mineur ce qui se passe. Donc apparemment, en fait, le problème ne viendrait pas des fils, mais du capteur en lui-même. Du coup, je suis de nouveau allé tester avec un capteur d'origine et les logs étaient plutôt instables. Bruh. Donc cette fois-ci, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de refaire entièrement le câblage de l'EQMaster, mais cette fois-ci le plus court possible, puisque j'avais décidé de le faire passer dans l'aile. Donc le câblage était assez long et je l'ai toujours soupçonné de créer des interférences entre les 5 volts et les 12 volts. Donc, il fallait que j'en sois sûr. À première vue, ça avait l'air plus stable qu'avant, donc je suis allé tester sur la route. Sauf qu'en revenant, j'ai entendu un bruit suspect qui venait de là. J'ai pas trouvé l'origine du bruit, mais comme on l'entend que sur le ralenti, quand le moteur est bien chaud, et encore on l'entend pas tout le temps, bah je me suis dit que ça devait être une hallucination collective. Ensuite j'ai fait plusieurs essais et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quand le turbo soufflait parce que le capteur map était instable. Et à force de chercher dans les réglages, je me suis rendu compte qu'en activant le filtre digital du capteur map, ça a réglé le problème. Malheureusement, j'ai laissé la voiture à l'arrêt pendant un jour et quand je suis revenu, la batterie était à plat. Donc j'en ai déduit qu'il devait y avoir un court-circuit quelque part. Du coup, j'ai vérifié un par un tous les fusibles avec un ampèremètre qui permet de détecter les courts-circuits. J'ai vérifié tous les câbles de tout ce que j'ai installé. J'ai enlevé les phares, j'ai enlevé les ampoules, j'ai enlevé les boîtiers électriques, j'ai tout débranché, j'ai vérifié toutes les masses. J'ai même cherché dans la Bible. Et j'ai rien trouvé. Donc j'ai prié pour que ça ne recommence pas. Et je suis allé tester. Et il n'y avait toujours pas assez d'essence à partir de 0,7 bar à peu près. Et la valeur du papillon était à nouveau instable. Donc ça m'a gonflé et j'ai directement branché le capteur papillon
et l'EQ Master, puisque l'EQ Master a une sortie 5 volts en rab, donc je m'en suis servi pour alimenter le capteur. J'ai également tiré une masse et j'ai également branché directement le fil d'info à l'EQ Master, au cas où il y a un problème dans le faisceau d'origine. Et la batterie était à nouveau à plat. Bruh. Donc j'ai mis une autre batterie, au cas où, et je suis allé tester avec la wastegate ouverte, donc en Atmo. Et les logs étaient enfin stables. Youpi. Du coup, au lieu d'essayer d'injecter plus d'essence, j'ai décidé de limiter la pression du turbo. Sauf que la wastegate d'origine s'ouvre aux alentours d'un bar. Et dans une vidéo, j'avais rajouté un ressort externe pour contrer la force du ressort interne. Alors c'est peut-être un peu merdique comme système, mais bon, ça fonctionnait pas mal. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de remplacer la wastegate. Donc j'en ai acheté une sur AliExpress, qui était censée s'ouvrir à 0,5 bar. En attendant la wastegate, j'ai continué à chercher le court-circuit, mais je l'ai pas trouvé. Je me suis également servi d'un ampèremètre entre la borne de la batterie et la cosse de la voiture, comme ça me permettait de voir le courant qui était débité, et je me suis rendu compte que les manos débitaient un peu de jus en permanence, parce qu'en fait ils gardent en mémoire la valeur maximum qu'ils enregistrent. Donc je pensais que c'était les manos qui vidaient la batterie, mais même en débranchant les fusibles des manos, ça continue. Du coup, j'ai trouvé une solution radicale et j'ai monté un coupe-circuit. Alors oui, c'est peut-être pas la meilleure solution, il y a peut-être un court-circuit quelque part, mais tant que la voiture prend pas feu, moi ça me va. J'ai reçu la wastegate 2 semaines plus tard, donc je l'ai montée. J'ai également remplacé le tube d'admission là, qui était en PVC, par de l'alu. D'ailleurs, il reste encore une partie en PVC là, mais elle a l'air de tenir, donc je la laisse. J'ai également contacté EQ Master qui m'ont dit que le DET 3 n'était pas résistant à l'humidité. Donc je l'ai placé dans un boîtier en plastique que j'ai découpé et que j'ai scellé avec de la colle époxy. J'ai également recollé le ciel de toit qui se décollait. On s'en fout, mais je te le dis quand même. Je l'ai testé avec la nouvelle wastegate et malheureusement ça sortait toujours 0,75 bar. Donc il n'y avait toujours pas assez d'essence. Et donc j'ai commandé un nouveau ressort de 0,3 bar. En attendant le ressort, j'ai fait des tests avec la wastegate un peu ouverte et on sortait environ 0,6 bar. Mais il manquait encore un peu d'essence. Donc j'ai essayé d'augmenter la pression de l'injecteur. Il y a une vis Allen là-dessous qui permet d'ajuster un peu la pression du régulateur de pression d'essence. Et je crois que d'origine le maximum c'est 1 bar 7 parce que sur les injecteurs monopoint c'est pas comme sur les autres injecteurs. Mais là j'ai réussi à le monter à plus de 2 bars. Sauf qu'à 2 bars, l'aiguille elle faisait comme ça. Donc je l'ai redescendu à 1 bar 9. Et là c'est plutôt stable. Donc j'ai pu faire des réglages. J'ai également fait 3 fois le parallélisme des roues avant au fil de pêche, parce que le volant était pas droit, et c'était fun. Et par fun, j'entends pas fun. Au bout de 2 semaines, j'ai reçu le nouveau ressort. Donc je suis allé tester,
et on sortait environ 0,35 bar. Donc j'ai passé plusieurs jours à essayer de la régler à 0,35 bar. Sauf que l'injecteur qui est monté là sur la voiture, c'est pas celui d'origine. Je l'ai acheté sur AliExpress et il est plus gros que celui d'origine. Et le problème, c'est que j'ai jamais réussi à trouver la moindre information sur cet injecteur. J'ai même contacté 6 ou 7 vendeurs, ils m'ont jamais répondu. Donc je ne connais ni le débit, ni le temps d'ouverture de l'injecteur. Et faire une carto sans connaître les infos de l'injecteur, on va dire que c'est un petit peu compliqué. J'ai passé des heures et des heures et des jours et des litres d'éthanol à régler cette putain de voiture. Et je pense enfin pouvoir dire qu'elle fonctionne plutôt pas mal. J'ai fait pas mal de passages au banc avec la fonction Road Dyno de l'EQMaster et il m'a sorti 90 chevaux, 93, 94, 95, 98 chevaux et à peu près 115 Nm à chaque fois. Donc oui, certains diront peut-être que c'est ridicule, mais je rappelle que d'origine la voiture fait 54 chevaux et qu'elle pèse moins de 800 kg. J'ai oublié de préciser que j'ai monté un robinet de pression pour augmenter un peu la pression du turbo. Et là, on est aux alentours de 0,6, 0,7 des fois, vraiment en pointe, mais globalement 0,6. J'ai également tenté de refaire un 0 à 100, mais en ce moment, il pleut tout le temps et impossible d'avoir de l'adhérence en première. Donc, j'ai pas pu en faire. La dernière fois, elle sortait à peu près 90 chevaux et elle m'avait sorti 7 secondes 9. Donc, c'est peut-être encore un peu moins de 7 secondes 9. Et je rappelle que jadis, j'ai eu chronométré cette voiture à plus de 14 secondes. Hein. On était peut-être à 14, 7 ou 8. Bref, on peut dire qu'elle revient de loin. Prochaine vidéo, je repasse sur la drift machine et je vais essayer de monter des vitres électriques. Ça risque d'être passionnant. Donc merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.